Salut YouTube. Il est vrai, on parlait des Elder Scrolls. C'est vrai qu'en plus là, ils ont pas teasé genre qu'ils lançaient Morrow Skyrim là, non? Morrowind fait avec le, il y avait déjà Morrow Oblivion et là je crois qu'ils sortent Morrow Skyrim. Genre Morrowind avec le moteur de Skyrim. Morrowind meilleur jeu hein. Morrowind doit être mon préféré, même si j'ai commencé par Daggerfall. Qui est extraordinaire, même si c'est une boîte à bugs. Et qui me faisait peur dans les donjons. Horrible. Ok, du coup. Alors oui, nous avons deux autres endroits à trouver avec des cartes approximatives de l'enfer. On a un gros gouffre dégueulasse. Et ce truc, c'est un cratère ce truc au milieu? Bon, je vais le trouver, j'y crois à mort. Regardez, on a un petit... on a un dragon en bas à gauche. C'est un dragon, hein. Non, c'est le logo de Shroud. On a le logo de Shroud en bas à gauche. Une montagne falaise. Ah, mais attendez, la tranchée juste au nord de ça, c'est pas le fameux passage à la con, où il y avait un sanctuaire où il fallait éviter plein de machines. Genre ça, cette tranchée-là. Ah mais là c'est que de la toundra là. Mais si c'est au nord... Ah c'est là! Ah non mais là c'est un skull. Et là il n'y a pas de gouffre donc ça fonctionne pas. À moins que le gouffre ça soit la plaine de Seymour. Le mont Roham. Ça serait donc le mont Roham et pas le... C'était quoi le truc qu'on a vu tout à l'heure? Merde. Ah oui le mont Etron. C'est peut-être plus le mont... Ah mais non parce que... Non parce que... Est-ce que j'ai le logo de Shroud là? Non ça matche pas du tout. Sinon si on regarde... en bas à droite là. Il y a l'air d'avoir une excroissance en plus tout en bas à droite. Un rocher pénien. El Famoso. Si on essaie de retrouver cette forme. Non, pas vraiment. Non, ça décide vraiment... Voilà, ça dessine plus un truc comme ça. Et non, même pas d'ailleurs. Non, rien à voir, parce que là, y a moins de relief, là. Je vais pas m'énerver. C'est vous qui vous énervez, c'est pas moi. Ma vie est merdique. Est-ce que je vais faire appel au chat? De toute façon, c'est forcément dans la région. Ça, c'est sûr. Peut-être là? Pas du tout. Non, ça, c'est trop petit. Le lac de Seymour. Ah, il y a des excroissances péniennes. Mais c'est trop loin, ça matche pas. Et il loue le logo de Shroud. Il rend fou. Comment ça, il rend fou? Bon. Ah, ça me frustre. Je suis très frustré. Pas autant que vous, j'imagine. Bon. Attendez, c'est parti. Nous allons... C'est un stream interactif, hein, voilà. Le backseat, au bout d'un moment, a ses limites.
Ah, alors que Dash m'envoie un petit truc. Ah oui. Ah, il essaie de m'appeler, l'innocent. C'est parti pour la Click Maps. Vous pouvez cliquer pour me dire où vous pensez que c'est. Merde, non, j'ai bougé. Genre, tout le monde l'a vu, quoi. Genre. Ou c'est juste, il y a quelqu'un qui clique au début au pif et tout le monde suit le mouvement, quoi. Hein? Ah, mais le trou, c'est ça? Mais non, ça n'a pas de sens. Ah si. Oh, le jeu de ses morts. Oh, jeu de ses morts. Putain, moi qui m'attendais à un vrai trou, pas juste que ça soit une fontaine, quoi. Ah, mais la zone d'exercice au vol, non, mais bien sûr. Oui, parce qu'il faut passer dans des anneaux. Mais je suis déjà passé dans des anneaux. Non, mais j'ai lu la quête pourrie. Tout va bien se passer. Bravo, hein, bravo à vous. Je n'ai jamais douté. Ah, en plus, le jeu des anneaux pourri, j'avais été assez nul pour changer. Ah, parce qu'il y avait le mec nul là, le petit Kekos, qui voulait que je m'entraîne avec lui. Ah oui, bah c'est le truc. Ah oui, non, il fallait tirer au vol. Bah attendez, je vais prendre un arc rapide là. J'ai un arc rapide, c'est l'arc du faucon. Y a pas des flèches pour moi, tiens. Genre là. Pas des flèches pour Wham? Connard. Et il est même plus là. On s'occupe même plus de lui alors. Quoi, mais genre je vais faire un truc au pif et ça va marcher? C'est ridicule. Transperce les cornes du dragon. Franchis les anneaux tels le souvenir. Transperce 4 cibles en un infime instant. C'est quoi l'infime instant? Ok. Sublime. C'est déjà allé tout en bas, si se trouve il y a des trésors et des trucs pourris. C'est pas grave. Un sanctuaire turgescent. C'est le DLC, oui, semble-t-il. C'est grâce à l'endurance. Ah oui, c'est vrai que je suis endurant. J'ai pu tout faire en une session. Alors c'est un vrai donjon du coup? Vent porteur, oh! Ok, donc on active ça. Mais j'ai pas beaucoup de flèches par contre, ça me fait chier cette histoire. Hein. Ah mais attendez, j'ai pas besoin de flèches. Juste besoin d'y croire. Mais... Oh, secours. On pouvait pas aller plus haut? Au cas où, hein. Non, ouais. Je me demandais s'il y avait éventuellement un coffre. Alors. C'est de repérer un éventuel coffre. Hein. Tout de suite, je veux être au courant des embrouilles. Ça nous emmène encore plus haut, ça? Pas du tout. Bon, d'accord, il y a des vents porteurs, ouais. Hein, c'est quoi ce délire? Ça bouge. Ah, d'accord! It moves around!
What goes around, goes around. Goes around. Ouais, d'accord, bah en escalier, quoi. Ah, mais oh non! Oh, il y a des trucs bizarres partout. Hein? Oh merde, ça c'est un truc où il faut... D'accord. Ah dommage. Connard. Connard! Je pensais pas qu'il allait tout lâcher. Il a décidé de tout lâcher. Ah, trop tard. Bon, ça, c'est bon en tout cas. Secours. C'est rigolo, c'est easy quoi. Nice. C'est bon, on les a tous eus là, non? Merde, putain, j'y étais. Ah non, il y en a un que j'ai pas activé. Quelle vie. Ah mais j'ai pas besoin de celui-là. I don't need it. J'ai juste besoin de talent. Mais qu'est-ce qui brûle? Non. Ah. Ça va être chiant. Ah, je l'ai vu. Ok. Hein? What the fuck? C'est bon. Ouais. Mais ça m'inquiète parce qu'on n'a pas eu de coffre. Est-ce que c'est un donjon sans coffre? Ça existe encore? J'ai pas d'infos. S'il n'y a pas d'infos, c'est qu'il y a un coffre que j'ai pas pris. Enfin, peut-être. Oh putain, j'ai plus de stamina, vite. C'est un échec.
Ouf. Allez. Allez, voilà, on y va. Bon, là, il y a un coffre de Seymour. Ah bah au-dessus, non? Non? What? Non, c'est une blague. Pas possible. Quoique. On va au comment? Bah si, bien sûr. Mais on n'y arrive pas, là. Pas du tout. Ah si, derrière. Oh merde! Ok. Je me suis pris comme une queue. Like queue. Secours! Hé, hey, pourquoi je suis parti de celui-là? J'ai fumé du mauvais shit encore, désolé, excusez-moi. Je suis désolé. C'était presque possible, hein. C'est nul. Quoique je me demandais si c'était pas bien d'avoir un bouclier en bois à un moment. Mais il a l'air nul quand même. Enfin, il est durable quoi. Ça peut être un bon bouclier de surf. Ouais, on s'en fout quoi. Ok. Ah, y a encore un coffre derrière ça. What the fuck? Bien ça. Hein. Ah non, c'est juste parce que je l'ai pas pris. Merci Maliki pour le Prime, Chocapic, Solis the Sun. Merci Aluxonium pour le sub, X Kawako. Merci Electro pour le Prime. Merci Maître Gibol pour le sub tier 2. Merci beaucoup. Oui, oui. Oui. Je vais pas m'énerver. Alright. Plus qu'un. Ah! Encore faut-il le trouver sur la carte, hein, bien sûr. Les boucliers de bois pour parer la foudre. Pas clair, mais peut-être. Ah oui, les 200 rubis terribles. Non, je ne ferai pas un wesh wesh, les amis. Bordel. Ok. À 100% Korogu, non. Je pense qu'on ira, on poussera pas le vice jusque là quand même. Ah, on pourrait cuisiner. Vous savez le truc que je fais jamais et du coup j'ai aucune potion. Oh mais ça m'emmerde. Alors. Ah oui, alors c'est le reflet pour sang. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des plaines pourries. Il y a un truc en bas, un éventuel cratère. Avec un petit embout. Un petit bouchon. Et une falaise au-dessus. Faut trouver le petit bouchon. Pire plan cul.
Donc on n'est plus dans le gelé, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Là, c'est des terres. Ah bah ça, c'est un petit bouchon, là. C'est le bouchonnois, ça. Mais c'est ça. C'est le bouchonnois. Non. Là, il y a une falaise avec un petit bourrelet. Et là, ça crée une paire de couilles. Alors, j'ai... Ah, le problème, c'est que la carte, hein, habilement, nous cache la paire de couilles. C'est pas clair, en fait. Parce que normalement, tout ça, c'est orienté comme ça devrait l'être sur la carte. Et si c'est le cas, mon bouchonnois... Ah, parce que normalement, il y a le bourrelet. On voit pas trop le bourrelet. Non, en fait, c'est de la merde. Pourtant, j'avais mon bouchonnois, quoi. Non, c'est pas grave, j'ai trouvé un autre bouchon. Vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Non mais là, ouais, là non plus, il y a un qui correspond, hein, si on parle là-dessus. Hein. Pas du tout. Ok. Je pense que c'est ma concentration sur le bouchonnois qui va me perdre. Prairie gelée, c'est pas possible. Là, on nous montre clairement de la verdure. Peut-être plus là, alors. Bah, vers les collines. Pourtant, là, il y a quand même un bouchon, quoi. Putain. Je vois comme vous ou pas? Ah non. Moi, je vois rien du tout, moi. C'est ça qui rend ce let's play intéressant, c'est que je vois rien du tout. Les chutes d'eau. C'est le stream de Hooper. Là, il y a des bourrelets. Il y a des bourrelets, mais on cherche un bouchon aussi. Hein. Je crois que je me concentre sur les mauvais détails. Alors, concentrons-nous sur une falaise. Sur une falaise qui est quasi horizontale avec un bourrelet. Ah bah c'est ça, non? Ah non, parce que là, on est dans la gorge. On n'a pas envie d'être dans la gorge. Donc ça serait plus là. Faut qu'elle fasse un angle quand même. C'est marqué sur la photo. Comment ça c'est marqué sur la photo? Absolument pas. Ah là! Là, on... non, pas du tout. Est-ce qu'il y a une route? Non, il n'y a pas vraiment de route. Il y a un versant de merde. Ok. Moi, je pense que dans moins de 2 heures, je l'ai. Ah ! Non, pas du tout. Putain, c'est incroyable comment je piche que dalle. C'est quand même super impressionnant. C'est pas donné à tout le monde, hein. Mais là, on te dit, derrière toi. Ah. Mais non, mais les confins de Tabanta, c'est là où j'ai pris la photo. Ça n'a rien à voir avec là où c'est censé être. Voyons. C'est parce que j'ai pris la photo ici. Là où il y avait Jackie la frite. Wow! Wow! Non, y a pas... Y a pas de route hein, dans ce délire-là. Des corogus pourris. Mais c'est mon bouchonnois qui m'a induit en erreur, comprenez-moi bien. Ah ça c'est vraiment une vieille vidéo sympa pour YouTube. Hein. YouTube est gâté en ce moment hein, quand même, faut bien l'avouer. Ah mais c'est ça non? Regardez. Là.
J'ai une falaise comme ça, j'ai pas vraiment de bourrelet. Bon, j'ai peut-être un versant. Mais là, ça correspond pas du tout au bouchonnois. Ah si! Un peu quand même. Pas du tout. Quoique. Il y a un truc quand même, hein. C'est pas le même bourrelet. Hein. Tout le monde fait des notes like this et des isous. Et des ney. C'est que ça doit pas être ça. Pourtant j'aimais bien mon idée. Hein. Moi je trouvais ça cohérent. Il y avait un minimum de cohérence. Non mais ça c'est le blizzard et machin. Donc ça aux F total. Hein. Peut-être le col de Terrel. Ah mais non, et puis c'est là où je suis en plus, ça n'a pas de sens. On est censé avoir une falaise qui crée un angle quasi droit là, oh. Oh mais quelle vie de merde. Et ça c'est pour casser la gueule à quelqu'un là, genre un dragon ou je sais pas quoi. Ah mais ils vont encore me faire, ah oui non mais c'est derrière qu'on va encore devoir faire un refight de boss horrible. Oh, JPP. Yeah, yeah. Comment ça, yeah? Ah, mais c'était yeah avant. Ah, mais c'est ça? Non, pas du tout. Quoique là, il y a un bourrelet. Ah, mais on n'a pas le bouchonnois, là. Hein. On n'a pas le versant. Yeah. Le chat est incroyable. Attendez, faut que vous voyez ça, quand même. Hein. Toujours, hein, des VOD de plus en plus intéressantes. C'est pas vraiment du backseat, si vous voulez. Yeah, 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 yeah. Mais y a autant de oui et de yeah et de pouces bleus que de gens qui font des zidane et des notes like this. Non mais là, ça n'a pas de sens, par contre. Il est où, mon bouchonnois? C'est là, quoi. Je vais mettre un crâne de Seymour. C'est dans cette région, quoi. Honnêtement, c'est pas clair. Hein. Le chat a l'air de pas s'accorder vraiment, quoi. Merci, A Touch Me. Pour le Prime. Red San, merci pour les 400 bitcoins. Limboton de lit, c'est pour les faibles. Merci Redister pour le Prime. Ney, comment ça Ney? Fail. Mais il y a 2 secondes, ça allait. Putain, je les déteste. Mais merde, mais ça nous dirige vers les champignons de ces morts. C'est la défaite totale, qu'est-ce que je fous là? Ne vous inquiétez pas. Quel est le rapport avec mon bouchonnois? J'ai l'air de se passer des trucs autour du sanctuaire là. C'est moi qui hallucine ou? Ah oui non, c'est juste les boules magiques. Bon. Oh, un petit renard. Petit bâtard. Oh, j'ai perdu tellement de viande. Je suis obligé. Je suis obligé de le prendre en chasse. Ah, il y a des chevaux. Yop. Ah! Mais... Oh! Je voulais prendre un cheval tranquille, moi. Bah tant pis pour les chouals. Bon. Alors je suis censé soi-disant affronter une bait. Ah vous inquiétez pas. Hein. Je pense que, encore une fois, mon instinct, mon sens de rotation
à faire la différence. Qu'est-ce que je fous là? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça peut pas être là. Mais mon bouchonnois. Non mais on peut se balader aussi, vous savez que c'est un jeu très contemplatif hein, comme le premier Zelda d'ailleurs. Ça serait dommage de pas en profiter. Je suis sûr que j'ai trouvé des indices. Bon. Ah putain, il y a le dragon de ses morts. Bah parfait, c'est lui. Je dois lui prendre des écailles comme d'hab. Oh merde, par contre, je crois qu'il est en train d'entrer au bercail. Oh non, pas vous. J'ai l'impression qu'il y avait un vent fort, mais pas plus fort que ça. Putain, non, il y avait le dragon là. On l'entend. Yes! Je crois qu'on parlait de sa tête. Ah, d'accord, génial. Elle est partie où l'écaille? Ah oui, les cornes étaient bleues. Ah non, mais là, les cornes, je l'ai dans le cul. Je m'en fous, j'ai mon écaille. Et il y a un renard. Alors, chais. C'est loupé. C'est nul. Ah, mais attendez, j'avais pas affilé cette écaille pour gagner. Oh! Donc, c'était là. Mais il est où, mon bourrelet? Mais là, je peux plus jamais la voir. Mais casse-toi! T'es pas sérieux, mec. De toute façon, il est parti, hein, il reviendra jamais. Faut que je vais me re-téléporter à la tour et avec un peu de chance, le jeu sera clément et me l'aura fait respawn. Le bourrelet devant le micro. Énorme. Attendre le retour du dragon? Quel enfer! Dormir, oh là là, mais sa mère. Oh. T'sais, j'ai plus beaucoup de flèches, hein. Et il sort d'où en fait à la base? C'est quoi son QG? Bon bref. Le lac Tama peut-être, ou le lac Ebra. Donc là je dois me faire chier comme un rat mort, c'est ça le plan. Eh bah super. Bon, y a pas un relais vente là où je pourrais acheter des trucs, du stuff? Y'a pas un relais? Un relay? Comme dans les gares. Ok. Ah, elle est nulle cette zone, hein. Faut dormir donc, et bah super. Un petit sanctuaire du plaisir là. On visite. Hein.
Hein ? C'est quoi ce bruit ? Mais... Quel ennui ! C'est une chute là-bas ? Je vais vous trouver un petit sanctuaire, je vous jure, je vais sauver cette VOD. C'est pour vous que je le fais, c'est pas pour moi. Hein. Ah mais je suis déjà allé par ici. Tu vois ce grand arbre de ces morts? Il y a de la fumée. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il y a un gland. Il y a un gland. Évidemment. Il y a un gland, hein, j'avais bien raison. Ah, on va trouver un copain campeur. Le guichet du marathon. Ah bah parfait. Bonjour. Ouais. Comment ça la course? Oui d'accord. Hein? C'est une vraie compétition. 20 rubis. Oh ça recommence. Putain c'est comme dans Mario 64 quoi. Ok. Oh merde, j'ai pas mon pouvoir de Philippe Risoli, j'aurais pu tricher. Ah. Ok, j'y vais à la réglo, avec la technique du tapotage. J'espère qu'il va se faire bouffer, ça serait lol. Easy game. Quoi, sérieusement? De la merde. Oh, il a bugué. Ah non, il me tauntait. Ça reste de ses morts. Ok. Je vais encore perdre 200 balles. Mais j'ai un truc pour aller plus vite. Non, mais moi j'ai pas besoin de ça pour le battre. J'ai juste besoin de mon talent. J'ai une potion de rapidité. Hein. Bon, alors je tapote pour préserver mon stamina. Ça suffit. Hein. Faut juste survivre à tous les pièges. A mon avis, je vais mourir. Hein. Spoiler. À quoi que j'ai Mifa. Ah, la honte d'utiliser Mifa pour ça.
le scénario se répète. J'en ai plein le cul. Mais il fait n'importe quoi. Ah non, tout à l'heure il a bugué, mais là il bug même plus quoi. C'était bien quand il avait bugué. Bon, je vais essayer de tricher. Hein. J'ai plus que ça moi. Ah, j'avais le droit de tricher visiblement. Parce que c'est ça, il nous dit que si on sort du chemin, on perd. Mais je pense qu'on peut un peu tricher. Merci Dax Bast pour le prime. Je vais mourir par contre. Ouais, mais c'est... j'aime bien ce risque. J'aime bien cette pression ajoutée. Ah, c'est mieux de courir à donf et de reprendre le stamina à la fin avant de le perdre entièrement. Ah ouais, ouais, c'est un peu la misère sexuelle. Bon, c'est là que ça se joue, hein. Oh, ils sont... Si, ils partent. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Il n'y a pas eu les électriques, Dieu merci. Bon, je tricherai pas, mais c'est tentant pourtant. Bon, et je gagne quoi? Juste 40 balles? Je vais pas m'énerver. Hein. Merci, Hyrule. Pour le sub. Hey. Super. Bon bah la journée elle est passée là. Il est 9h20. C'était la veille non qu'on avait vu le dragon de mort. Il est où? Ah, je peux dormir à son feu de camp, c'est vrai. C'est 21h le pop, mais quelle vie! Bravo! Oh là là, vraiment. Oui, un petit bâtard. La VOD, je la sens bien là. Non, non, mais on a été efficace, vous inquiétez pas. Mais jusqu'à la nuit, ça va être trop tard. Ouais, j'ai pas de temps à perdre. Info de chat. Putain, oh merde, j'ai suivi une info de chat. Ça, c'est une connerie, par contre. Ah, pareil, fait, 21h. Ah, mais il pop où?
Ah, j'ai toujours pas récupéré ma vie, c'est pas grave, j'ai la Mifa. C'est la lune de sang de Seymour. Oh là là, mais cassez-vous. Ils vont me faire tomber dans le précipice, je vais bader. J'ai cru le voir là-bas, où j'ai halluciné, j'ai vu le volcan peut-être. J'ai vu un truc rouge. Attendez, je parle pas du laser. Oui non, ça n'a rien à voir. C'est bien le volcan. Sanctuaire. Ok. Le dragon. Il est où? Oh putain! Attendez. Mais qu'est-ce que je fous là? Faut que j'aille vers l'est plutôt, non? Je sais plus. Non, c'était... Le nord, c'était bien. Je vais prendre de la hauteur. Quand il me lâchera le cul, j'utiliserai mon pouvoir de fibre isolée. Oui, ou sur une tour, ouais, j'avoue. Ça va pas faire passer le temps et j'ai pas me faire baiser. Seulement, je connaissais son spawn. T'arrive de l'est? Mais quelle vie, je suis en train d'aller à l'ouest. Ça penche à droite. À faire. Ce soir on retrouve Michel Lab. Si je suis pas mort entre temps, je suis tellement crevé. Oula! Non mais non! Oh mais sérieusement! Oh là là! Mais cassez-vous! Oh! Y'a un truc! Ah oui, oh putain. Ok, j'ai pas m'énerver. Merci Grashgar pour le prime et Carlito pour le sub. J'ai raté le dragon. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai sauté? Oh, attendez, j'ai plus le temps de niaiser là. Mais non, mais putain, mais... Je voulais utiliser Risoli de C'est mort. Non mais si je me TP à la tour, j'ai peut-être perdu du temps, c'était ça le problème. Bon, un dragon, ça doit pas être si dur que ça repérer, bordel. Oh! Ok. Oh non, y'a un ninja de ses morts, oh non, y'a un assassin, non mais j'ai pas le temps là! Ah, je peux lui repiquer une écaille aussi, c'est gratos. D'accord. Incroyable.
Elle se barre où? J'ai pas du tout regardé où avait popé le sanctuaire. Ne vous inquiétez pas. Grâce à mon wifi, je vais y arriver. Ah bravo, bravo. Belle esquive. Ah oui d'accord, éclat de corne. Mieux que l'écaille. Enfin différent en tout cas. Bon. Où est-ce qu'il a popé le sanctuaire? J'en ai aucune putain d'idée. Vous inquiétez pas, je suis un professionnel, avant tout. C'est si haut. Oh quel enfer. Ah mais là je peux me TP sur une tour, faudrait peut-être que j'arrête mes conneries. Oui. Je pense que dans la tour je la verrai très bien. Est-ce qu'il a pop à côté d'un bourrelet? 52 minutes, c'est du génie. Non mais c'est moi aussi, je suis un professionnel, je time un peu l'action. Pour qu'elle soit raccord. Ah mais putain, du coup, vu que je dois partir absolument pour 18h, là, ça va poser un souci parce que... Si on s'arrête là, c'est-à-dire qu'on a qu'une demi-heure derrière. Putain, je suis en train de mourir. Ça va être compliqué de faire le golf ce soir. Hein. Mais pour l'instant, je suis arcade perfect. Hein. J'ai pas été en retard, le planning était tenu, donc je pense que ça serait pas révoltant en soi d'annuler ce soir. Non, vous inquiétez pas, évidemment, que tout sera tenu. Bon, c'est ça, espérons-le. Ça serait bizarre qu'il n'ait été fait. On l'a tenu 3 jours, quand même. Hein. Pire par le passé, on l'a rarement tenu 3 jours. Hein. Ça reste une victoire. Vous voyez que le négatif. C'est le problème du chat, ça. Salut, logarithme. Oui, ouais, il a une forme bizarroïde, c'est bien ça. Nous allons terminer ce truc de ses morts. Ah bah non, de toute façon, cette VOD va encore faire minimum 1h30, parce que derrière, on va devoir se retaper un boss de donjon, là, comme la dernière fois. Enfin, une arnaque, quoi. Sauf que j'ai des armes de clodo. Ah, mais de toute façon, l'armement était imposé la dernière fois. Si, du moins, on nous propose encore de refaire le donjon du gardien. Enfin, le boss du gardien. Je trouve que ça sera autre chose. Viser dans la quiétude. Ah ouais, ça me définit bien. Putain, je suis vraiment en galère de flèches. J'en ai 6. Faudrait que je trouve un endroit où je drop des flèches par centaines gratos. Ok, Ah. Sérieusement. Pourquoi il veut pas bien se placer? Pourquoi c'est un connard? C'est bon.
Ah non, je le ferai comme ça, hein, je le ferai avec swag. Oh merde, ça a marché ça alors. Alors que j'ai totalement évité le tube. Et là. Oh, c'est imprécis, hein. C'est imprécis les jeux Nintendo, quoi. Bon, je m'en fous, ça marche. Ma technique est dégueulasse. Mais... non, merde. Wow. Ah, mais c'est chiant quand même. Ah, bah sinon, voilà. Pourquoi me faire chier? Hop. Sinon, évidemment, que je peux utiliser des flèches explosives si ça me saoule le cul. Ah oui, non, mais en fait, je me faisais chier pour rien. Je fais, si j'appuie sur... ah là, il le fait bien, ok. Voilà. Bon, encore défoncer un truc ou on y va direct? La réponse tout de suite. Un coffre là derrière, sûr. Info sûre. Non. Non. Ok. Ah, je suis le pro hein, pour utiliser les lampes. Ok. Ah si, il y a une arnaque là-bas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a un coffre là-bas, ok. Bon, on peut y aller gratos là. Et quoi que ça bouge, donc ça va être méga chiant. Oui, ça marche pas. Ah oui, non, mais le timing est pile poil dégueulasse pour que ça soit dégueulasse. Bref, sinon j'y vais à l'explosive, hein, pour pas me faire chier, en vrai. Voilà, super. Et donc ça... ouais, mais vu que ça tourne, ça a marché ou pas? Ah, difficilement, visiblement. Oh non. Ouh, ok. Ah mais non, mais je suis con, j'irai avec l'autre. Ok. C'est pas dingue. Sérieusement? J'ai même plus de feuilles. J'ai plus de feuilles des bois. Donc qu'est-ce que j'ai mal fait dans ma vie? Beaucoup de choses. Ouais, mais évidemment que c'est dégueulasse. Ouf. Évidemment que ce que je fais est dégueulasse. Ça, j'en conviens. Oui, non, mais de toute évidence... ce truc-là est pas censé tourner, parce que s'il tourne, je suis dans la merde. Oh, c'est quoi? Je peux le cinétis en mode ce jeu c'est de la merde? La réponse est oui. Bah vas-y connard! Pardon, excusez-moi. Hein. Connard. Évidemment que c'est dégueulasse. Quoique je persiste et signe, le coffre, je peux le prendre après, ça serait plus simple. Ah ça. Incroyable. Ah bah toujours plus.
Et cette bite en bois. Obvious bite en bois. Oui, alors attendez. J'ai fait le con. On m'a dit que j'ai fait le con. Ah oui, mais on s'en fout. Je peux le mettre en face parce que Cinétis. Bah non. Pas bon. Si. Avec le retard. Il a arrêté, oui. Génial. Énorme, énorme, énorme. Énorme, c'est énorme, c'est énorme. Paf. Pif. Bon bah c'est anecdotique et on a eu le coffre. Bon d'accord. Génial. Génial. C'est énorme. Tu du du. Et donc c'est bon pour ces trois énigmes de Moore. Et nous allons affronter un boss avec mes armes de Clodo. Ah! Optimisation, bien entendu, je n'ai pas eu à me soigner. Ni utiliser le pouvoir de la MIFA. Énorme. Merci Skylou pour les 1000 bitcoins. À quand gris-gris dans Zelda? Des bisous. Putain, gris-gris. Mais c'est vrai quoi, ouais. On n'a pas trop pris de choual. Trop pris de choual. Je tenais à te dire bravo MV, tu vis avec quiétude comme personne, je suis surpris par ton talent à chaque fois. Mais c'est vrai, merci beaucoup hein. Merci à Naruto, c'est Firoz évidemment qui dit lol. Ok, alors. Tout que la cause dans Zelda serait pas mal. Ah bah ça y est, il est retourné dans son village de Moore. Ah mais je peux me téléporter directement à Vamedo, parce que c'est là que ça va se passer au final. Ok. Nous avons trouvé l'autre jour la bouche de dinosaure avec la main. Tout à fait, ici Blackout. On a fait l'intégralité de l'arc de Vlamoris. Ah oui, c'était Vabedo, lui. Je sais plus. Je me souviens pas. Fait trop longtemps. Donc là, normalement, j'arrive et direct embrouille. Direct. Non ? Si. Ah, c'est bien. Ça va nous faire des souvenirs avec Philippe Risoli. Intolérable. C'était plus sympa avec Urbosa. Parce que souvenez-vous de Philippe Risoli quand il est dégueulasse. Oui. Toi qui te tiens devant la créature divine, au nom de la déesse Ilia. Oui. Les emblèmes du Bédo que tu apportes vont te permettre d'arpenter tes propres souvenirs. Ah, ça a du sens. C'est vrai que ça rend très nostalgique. Si ta détermination faiblit, cette épreuve te sera fatale. Le monde de l'illusion ne doit pas être pris à la légère. Merci Arnaud Jumeau qui offre 5 subs. À la commu. Scénario. Ah, Patrick Croix, hein. Madame Roy est mort, un fils, Patrick. C'est vrai que c'était autre chose hein, que Philippe Risoli. Ah non, mais Philippe Risoli, c'est... Je sais plus, c'est le fiston ? Ou c'est l'ancêtre insupportable ? Non, c'est l'ancêtre insupportable. Le monde dans lequel tu te trouves est factice. Ce sont tes propres souvenirs qui ont déterminé son apparence. L'ennemi qui t'attend est né de la peur enfouie en fond de ton être. À toi de prouver que tu peux la surmonter. Oui, bah oui, c'est pareil. Ouais, super. Génial. Super. Alors. Merci Manny Poppins pour le Prime. Ok. Alors. Ah oui, ah bah ils vont me filer les flèches. Oui, lui c'était les critiques dans l'œil là.
100 flèches normales, 5 explosives, d'accord. Est-ce qu'on préfère le double encoche que le normal ? Oh putain ! Incroyable ! Moi j'ai pas ça. Ok. Une épée pourrie, d'ac. Donc, souvenir. Non mais lock-le s'il te plaît, c'est sympa. Oui, alors là, c'est une vraie embrouille, là, non? Ouais. Faute. Et on en fait quoi de cette tornade? Ok. Bon, l'explosif ça change quoi? Je vais faire du vrai dégât. Moi, on va quand même tester. Ah, bah oui, génial! J'utilise pile poil quand il est invincible, j'adore ma vie. Ouais, c'est juste plus de dégâts en OZEF quoi. Le OZEF est total. Peut-être à garder plus tard quoi. Bon, alors en vrai, je me fais chier, mais il y a des courants d'air. Oui, je pourrais aller lui casser la gueule. C'est juste qu'en vrai. Je pense que j'ai assez de flèches pour faire le taf comme ça. Et j'imagine que la phase 2 est chiante, je m'en suis un pas, hein, putain. C'est deux et basta quoi. Parce que je pourrais aller lui prendre l'air pour lui faire une charge, mais en vrai. Ah non, faut que j'arrête deux. Je prendrais plus de risques pour, j'imagine, pas forcément plus de dégâts. Je me souviens plus hein. Ok, phase 2. Et là, de toute façon, ça va changer, quoi. Ah oui, oh, c'était casse-couille. Voilà, et là, je vais le tabasser. Oh putain, il a pris tellement cher! C'est vrai que je l'ai en version plus plus, hein. Ça se tue, ça, je sais même plus. Thank you.
n'est pas chargé assez longtemps, quel con. C'est chiné. Ouais, les éclairs, c'est fort. Alors, est-ce que c'est la version plus qui fait que... Tant mieux. Faut dire aussi qu'on a, on a des... on nous donne du stuff qui est assez lotière en termes de dégâts. Donc, ça a du sens. Bon. Et ben voilà. Ah bah 1h12 la VOD. Oh non mais tellement facile. Tellement large. Donc ouais, c'était pas seulement le cooldown, c'est des dégâts aussi quoi. Oh putain. C'est vrai. Oh, le destin a voulu que nous nous retrouvions. Quel endroit singulier! J'y puise l'inspiration et tu semblais plongé dans la méditation. En explorant la zone, en écoutant les gens, une idée m'est venue. Écrire un nouveau chant! Sur le banc Philippe Risoli, mon maître a fait le sien. À mon tour d'apporter de l'eau à son moulin. Et quel meilleur moyen de bien saisir une âme que d'errer en un lieu où a brillé sa flamme! Mon œuvre s'intitule Chanson de Philippe Risoli. Ah, ce temps, celui qui Bédo piloterait, du titre de prodige n'était pas décoré. Il s'appelait Philippe Risoli, large et vif au cœur fier, et qui reçut un beau jour la visite brasière. Je dois atteindre le cœur de la tornade. Nul. Il faut que j'essaye encore. Vous savez, Altesse, ce n'est pas très poli, d'épier les gens comme ça. Pardonne-moi. On m'a dit au village que je te trouverais ici. L'idiot du village. Laissez-moi deviner. Vous voulez que je vous donne ma réponse? Pour fendre le fléau Ganon une fois pour toutes, je n'ai aucune raison de refuser. Je te remercie, Revali. Dans la bataille qui nous attend, des talons tels que les tiens seront... Mais je vous préviens.
garçon qui aura l'insigne honneur d'être épaulé par le grand Révali. Celui que vous appelez le chevalier à la lame purificatrice, c'est bien ça? Ta gueule! Voyons à l'œuvre. S'il perd toute confiance en lui, il ne faudra pas m'en vouloir. Très bien. Le prodige de mon peuple, comme tu l'as entendu, n'aidez pas Piaf à mettre souvent son cœur à nu. Ainsi s'achève mon chant. Je brille pour qu'il t'ait plu. Le cœur de Philippe Risoli valait d'être connu. Écrire sur le prodige et chanter son histoire, mon maître serait fier, je te prie de le croire. Tout ce que j'ai appris en écoutant les gens, je le restituerai dans les vers de son genre. Pour être franc, je ne pensais pas que tu y arriverais. Maintenant que la rage de Révali a gagné en puissance, tu ne devrais avoir aucun problème à vaincre Ganon. Ouais, c'est pas toi qui décide. Bon. Eh bien voilà, 2 sur 4 des épreuves EX. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Hein? Vite! De toute façon, là, je peux pas faire une troisième VOD, donc autant que c'est... Voilà, celle-ci durera 8 ans. Ah oui, alors en version plus... Hein? Mais non, mais ta gueule... J'avais oublié qu'il fallait pas faire après. Non. On peut y retourner, mais quel intérêt? J'avais oublié, je te sais mort. Oui. Quoi ce truc en bas là? Cette tente dégueulasse, c'est un relais? Bref. Mais c'était juste à côté de là où j'ai pris les quêtes et je l'ai même pas vu ça. Ah mais non, mais c'est la tour. Ah oui, mais on s'en fout. J'avais triché. C'est vrai que je m'étais pas du tout occupé de ça. Ok, ok. C'est bon, j'ai triché. Y'a un truc à boule magique là-bas. Puis à quoi ça sert? Donc oui, c'est bien un relais. Ah mais non, c'est des gobelins de mer. Oh. Il est pas, je gère. Oh non. Eh bah tant pis. Paf. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Merci. Attendez, j'arrive. Merci beaucoup DigiZeus7 qui offre 5 subs à la communauté. Merci beaucoup. Merci Chicken of Dead pour le Prime. Darky59. Tiltalas DigiZeus7 justement. Merci. Beaucoup. Ah, des flèches en bois, parfait. J'entends encore un mec faire gouic gouic. Comme Georges Marchais. Il est où? Ah oui, ils sont encore vivants. Alors ça, par contre, ça me troue à chaque fois. Je suis toujours obligé d'arriver à des hauteurs. Comment je monte normalement sur ces merdes? Ça me bute. Hein? Quoi?
Il vient de me balancer une noix, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais il y en a au-dessus encore. C'est un échec. Je suis obligé d'y retourner avec Risoli, c'est ça qui me semble dingue en fait. Oh, y a des trucs à looter là? Ah bah non, on a tout explosé en plus, ça sert à rien. Bon, lui il a l'air un petit peu costaud. Aïe! Je te protégerai. Et pourquoi il me fait pas le pouvoir de la grognasse? Et pourquoi il se bat avec son boomerang? Ah bah tiens, la voilà. Oui d'accord, file des pierres précieuses du coup. Très bien. Tout ceci ne servait à rien. Mais on l'a fait. Respecte un peu Urbosa, mais j'en ai rien à foutre moi. C'est là pour être utilisé hein. Je fais un travail sur moi-même. Moi qui étais le genre de mec qui n'utilisait jamais les élixirs dans les jeux, dans les RPG, je fais un effort là. J'utilise mes pouvoirs. Il vous reste deux lieux à visiter. Alors, la suite des événements. On va encore se faire chier avec ça, hein. C'est sympa. C'est nul, mais c'est sympa. Ah bah ça, c'est vraiment le premier qu'on a fait, Varuta. On lui avait pas trouvé un petit sobriquet? Je ne sais plus. C'est ça la tour la plus proche? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le laboratoire antique, ça fait 30 ans. Allez, Rutabaga, c'est vrai. Ah oui, et c'était surtout avec Sidon. Incroyable. Zeldo! Meilleur PNJ, hein, Sidon. Ah mais oui, je suis... Mais non. Si je TP sur lui, ils vont me faire chier. Oui, non, j'aurais dû TP sur lui. Non, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien les longs voyages. D'autant plus que là, on a... Comment dire, l'envolée magistrale. Ah, faudrait que je passe au domaine Zora, non? J'ai toujours mes deux cœurs à prendre. Ce serait sympa de les prendre un jour. Incroyable. Ok, boys. Du coup, sud. Sud. Sud, il y a le... le domaine... qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oui, c'est bien ça. Oui, c'est tellement loin, j'ai pété une durite. Mais j'avais dit que je voulais passer par le domaine Zora. Ah oui, mais à ce moment-là, j'ai un sanctuaire au domaine Zora, espèce de connard. Merci à tous. À quand la Master Sword? Ah mais non, mais me spoilez pas, parce que... Moi, je ne connais toujours pas les conditions pour pouvoir la prendre, parce qu'on avait essayé de la prendre après avoir buté les 4 gardiens, et on s'est quand même fait baiser. Donc moi, je suppute qu'il faut juste avoir masse de cœur. Suppose. Voilà, vous ne savez pas. Très bien. Il y a un petit crabe. Petit bâtard. Oh là là, il a disparu juste au moment où j'allais l'exécuter à la bombe. Bon. Fermer des trucs alors que je n'ai jamais cuisiné, ça c'est important. Ah oui, par contre, ici... Non, ferme-la.
À quoi que vous vendez quoi déjà? Non mais je veux pas de la poiscaille, je veux pas du sel. Des flèches normales, vous avez des flèches normales? Ah ouais, superbe. Je prends tout, voilà. Elle était où la petite statuette de mort? La statuette de merde là où j'upload, où j'upgrade mon stuff. Ah évidemment la cuisine qu'on n'utilise jamais. Ah évidemment je me souviens dans les autres endroits mais pas ici. Je recherche la statuette de merde pour upgrader mes cœurs. Ah, on l'a déjà trouvé là, soyez sympa. En hauteur peut-être. Oh, je sais plus. Là c'est le roi. Ah, il y a Sidon. Ah non, là c'est Taol. Il est merveilleux, d'accord. Qui ça? Ah, parfait. Oui. Merci. Il est 17h50. Ah, parfait. C'est du génie de ma part. Avec une VOD qui dure aussi longtemps qu'une game de FTL. Oh là là, c'est quand qu'on va voir cette deuxième ligne de cœur hein? C'est pas tout de suite. Hein. Ah non, mais j'ai pas envie de parler à Sidon, hein, vous inquiétez pas. Merci. Ah oui, le laboratoire de ces morts. Go lui parler. Mais pourquoi? Il a des trucs à me dire? Je lui parle seulement s'il a un point d'exclamation. Hein. Ah, pourquoi j'ai eu les cœurs jaunes d'un coup, là? Ah oui, non, c'est parce que oui. Non, bah le roi, voilà. On s'en fout. Il est où? Il est parti. Non, mais sinon, il est parti. Il était là, c'est ça, je l'ai loupé. Peut-être parce que je m'en fous. Oh mais c'est si haut. Oh non, mais c'est la nuit de ses morts. Oh là là, c'est la nuit de ses morts. Et ils vont me faire chier en pleine escalade. Oh mais non, mais je vais encore louper mon escalade d'ailleurs. C'est le pire plan cul là. Dans quoi je me lance? Oui, on a compris, le reset des monstres, tout ça. Ah oui, y a pas l'histoire de... J'ai des étoiles filantes à regarder ou un truc comme ça. Merci Olivier Charavel. Pour le Prime. Merci beaucoup. C'est incroyable, hein. Alors ce qui est rigolo, c'est que bon, je suis sympa, j'ai pas remis le stream en sub-only alors que Zeldo c'était en sub-only. Mais c'est quand même les subs qui spoilent. C'est incroyable. Alors que bon, finalement, un chat en sub tier 3 emote only. Est-ce que c'est pas le turfu? Comment faire des dons? Je prends plus de dons PayPal depuis 5 ans, je crois. Il y a juste les bits sur Twitch. Ce qui n'est pas vraiment évidemment à votre avantage vu que Twitch prend une belle commission sur les bits de votre côté. Mais si vous voulez faire un don, c'est via les bits. Alright. Ce qui revient au même. Ah non, comptablement ça revient pas du tout au même. Ça permet d'avoir une comptabilité propre. Ok. Lac du barrage de l'Est, tout à fait, c'est là où il y avait... Ah mais non, mais l'autre con, il est vraiment sur... Non, il est pas sur la bait. Il est où là? On cherche le petit... Sers-toi de ma rage quand tu veux. Ah oui putain, ça recharge vraiment très vite. C'est impressionnant.
j'ai plusieurs points? Pourquoi on monte plusieurs points? Ah oui, non mais comme un con moi. En fait, tous les points étaient là dès le début. J'ai pas un ordre défini. Ok, c'est là-bas. Oh, c'est chiant. Plus la glace, là, je peux pas grimper dessus. On va juste prendre les photos et ça sera la fin du stream. Parfait. On termine sur un cliffhanger nul, vous voyez. Merci à Suicide Pigeon pour le sub. Si je gagne un jour l'auto, j'offre 500 subs tier 3. Paf! Mieux vaut faire un don direct. Hein. Parce que... qui prolongerait un sub tier 3 si on lui offrait? Pas grand monde. Hein. Ok. C'est déjà un miracle quand quelqu'un a un sub gift, qui a un sub gift prolonge le sub. Mais un tier 3. Alors... Oh putain, ah oui, par contre, oui. C'est reparti pour Ivorner. Merci les Calos pour le prime. Oh putain. Tu es arrivé jusqu'ici et je t'en félicite. Les emplacements de nouvelles épreuves conçues pour développer ta force intérieure vont être révélés. Ne fais pas l'erreur de baisser ta garde. Jeune innocent. Ça c'est simple. Ce monument de pierre est vieux de 10 000 ans. Son sens s'est évanoui, emporté par le temps. Oh. Tiens, c'est toi. Mais dis-moi, que viens-tu donc faire là? Chacun a ses raisons de partir en voyage. J'ignore quelles sont les tiennes, mais ne perds pas courage. Oh. Regarde donc plutôt. Ils sont là comme avant. Les piliers que mon maître mentionnait dans son chant. Oh. Pouvoir chanter ses vers sur les terres qu'ils décrivent. Voilà une expérience des plus méditatives. L'épreuve de la Mifa est l'objet d'un couplet composé par mon maître. Je vais te le chanter. Le prodige au cœur tente souhaite insuffler la vie pour accroître sa force, une voix l'envoie vers les cides qui se dessinent sur les piliers de pierre. Va parcourir ardiment la route de lumière. Va défaire cela, machine de la guerre, et passe les anneaux de la chute aux noblesses. Un tout courage invasif qui ici t'a mené par la dernière épreuve se verra éprouvé. Alors, qu'as-tu pensé de l'œuvre de mon maître? Admirable, n'est-ce pas? Il faut le reconnaître. J'apprends sur les prodiges, ma foi, de plus en plus. À les connaître mieux, tu me vois résolu. Encore quelques efforts et je serai en passe d'écrire ce couplet de manière efficace. Mon maître a sans nul doute... Oh putain! C'est la première fois qu'il a fait un truc qui rimait pas, je crois. Mon maître a sans nul doute ici même chanté le couplet que je viens de te faire écouter. Si seulement je pouvais réaliser son souhait et chanter à tue-tête sa chanson terminée. Pour cela, j'aimerais, autant que faire se peut, connaître des prodiges, le passé valeureux. Au domaine Zora, et le roi et son fils m'ont parlé du prodige. Les dieux les embellissent. Pouvoir un jour chanter sous un ciel sans nuages, ce chant enfin complet, motive mon voyage. Je veux chanter, j'en ai assez d'être dans l'ombre d'un artiste. J'en ai assez d'être une star dans les coulisses. Je veux chanter. Bon alors attendez, prenons les photos. Le moment est venu. Non mais là c'est simple, regardez, on a quand même des repères évidents.
Même moi, je peux m'en sortir, je vous le jure. Regardez. Mais qu'est-ce qu'il fait? On a des Korogus pourris. Et on a le domaine Zora, surtout. Donc là, c'est à... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'as pas de cheval, t'as jamais eu de cheval, arrête de faire chier. Je voulais dézoomer, mais ça marche pas. Eh ben, je veux pas la longue vue, con du cul. Je veux l'appareil... Voilà, c'est bon. Et alors, je peux vraiment zoomer à fond parce que l'interface cache, en fait... Voilà, ma photo. Là, je prends les photos les plus larges possibles pour bien les voir dans la vue pourrie de l'album. Non, mais là, c'est immanquable, je veux dire. Oh, encore la lumière! Le reflet, bordel! Avec mon sens de l'orientation quasi parfait, c'est du tout cuit. Bon. Voilà. Il est temps pour nous d'arrêter les 18h. Faut que j'aille me savonner le cul. Et que je sorte. Faut que j'aille voir ma femme. Enfin, mes gosses. Oh là là, mais Yanoche! Oh my god! Yanoche qui fait partir les 10 000 bitcoins. Vu que je le peux, j'en profite. Cheer! Merci énormément, Yanoche. Des bisous. Yanoche qui m'a pourtant déjà offert un FF6 Zab. I remember back then. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Énormément. Merci Arcars pour le Prime. Danatos, Ponyoset, Nekalos. Et merci à vous, YouTube. Des bisous. Au revoir. A bientôt pour les sublimes quêtes de Rutabaga. EX.